Bonjour tout le monde. Bonjour. Hey, bonjour. Ça va bien, Amir? Ça va bien, et vous? Good, good. Voilà. Et you? Okay, guys, so today we're going to do a little refresher for some of us. Comme on le sait, le marché change constamment. Karim va faire l'analyse comparative de marché. Donc, pour certains de nous autres, ça va être un refresh. Et pour d'autres, ça va être du nouveau. Mais on est mieux de aussi faire nos mises à jour autant que le marché change, right? Yeah. Okay, guys. So enjoy. We're going to leave the doors open because it's a little bit of a sauna here. But, yeah. Okay, guys. Thanks. Thank you guys later. Okay. Let's move. Thank you, Ron. We just started the equipment. En ligne, vous voyez l'écran? Oui, ok, parfait. Oui. Ok, parfait. Bonjour à tous. Ok, on va passer à travers une analyse de marché. Pardon. Je vais vous montrer chaque page. Si vous avez des questions, arrêtez-moi. Tout le monde comprend le français. Oui, c'est bon. Okay. Donc, il y en a sûrement qui ont déjà fait, qui ont déjà vu ça. Il y a différents formats, différents templates, différentes couleurs. Faites ce que vous voulez, mais le contenu devrait être relativement le même. Okay? C'est un contenu qui est assez simple. Et c'est un document qu'on présente au client avant notre rencontre, une fois qu'on a la rencontre, durant la rencontre, évidemment, on passe à travers le document avec eux pour pouvoir signer notre contrat de courtage. C'est aussi utile de temps en temps avec des acheteurs, parce que quand vous avez un acheteur à un certain niveau, ils vont vouloir que vous leur fassiez une analyse de marché par rapport à la propriété qu'ils vont acheter. Okay. Donc, première page assez simple. Encore une fois, chacun fait ça comme il veut. Vous pouvez avoir des grosses couleurs, des designs, des serrures, des portes, ce que vous voulez. Moi, je mets juste l'adresse, puis on y va. Donc, la première page, en fait, c'est une introduction pour le client. On leur dit qu'est-ce qu'il y a dans le package. Donc, dans leur enveloppe qu'on leur a remis, qu'est-ce qui se trouve dedans. Donc, il y a le plan d'action pour la mise en marché de leur propriété. L'analyse de marché des propriétés qui sont présentement en vente et celles qui ont été vendues. Les comparables, donc évidemment vendues, une copie du contrat de vente et une copie de la déclaration du vendeur à remplir. OK? Donc, je le dis à chaque fois qu'on fait ce cours, c'est excellent ça parce que des fois vous arrivez à votre rencontre et ils ont déjà rempli la déclaration du vendeur. OK? Vous voulez les engager, vous voulez que le client se sente engagé dans le processus parce que, comme on sait, dès qu'on met un peu d'effort, on s'attend à signer quelque chose, right? On veut procéder. Par la suite, on leur dit, bon, il nous faut certains documents. Il y a des gens qui ont des analyses de marché juste pour des maisons et juste pour des condos. Moi, je les ai combinés en un document parce que à un moment donné, on en avait trop à faire, puis ça devenait plus long à imprimer puis à gérer. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, c'est des documents obligatoires, soit l'acte de vente, l'acte d'hypothèque, le certificat de localisation, et dans le cas des condos, ben, il y a d'autres documents qui sont requis. Évidemment, les taxes municipales et scolaires, on est capable de les sortir nous-mêmes.
on leur demande de les fournir. S'ils les ont, tant mieux, s'ils les ont pas, c'est pas grave. Les rénovations, ça c'est assez important. Si vous allez mettre dans les commentaires qu'il y a des rénovations qui ont été faites, assurez-vous d'avoir des factures. J'ai refait mon toit avec Monsieur X, ça ne fonctionne pas sans facture. Right? Et encore une fois, on leur répète de remplir la déclaration du vendeur. Okay? On espère qu'ils lisent le document. C'est ça l'idée. Et on leur dit rapidement que durant leur rencontre, on va discuter du marché, des techniques de vente et essayer de trouver le meilleur compromis entre commission, prix pour qu'on puisse travailler pour eux. So far, so good? Non. Les objectifs. Tout le monde ici, on est des courtiers, on sait c'est quoi nos objectifs, on sait qu'est-ce qu'on veut atteindre, mais le client, peut-être qu'il ne sait pas. Right? Alors, on répète ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On veut les assister à avoir le plus d'acheteurs possible qui sont qualifiés. Évidemment, les seuls acheteurs que vous pouvez qualifier, c'est vos acheteurs. Right? On ne peut pas qualifier les acheteurs de notre courtier, mais on essaie en demandant une lettre de pré-approbation pour une offre d'achat, etc. Communiquer avec le client, le vendeur, ça peut être chaque semaine, ça peut être chaque deux semaines. Okay? Qu'est-ce qu'on communique? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on les appelle? On leur dit quoi? On leur parle des nouvelles inscriptions dans leur zone. On leur parle des ventes, s'il y a eu des ventes dans leur zone. Et on leur parle aussi d'ajustements potentiels pour augmenter les chances de vente. Donc, monsieur le vendeur, vous devez peut-être ajuster votre prix. Ça fait deux, trois semaines, on n'a pas eu de visite. Un exemple. Right? Évidemment, les assister à négocier le meilleur prix et leur tenir informés sur les tendances, ça revient à ça à peu près. Okay? Évidemment, leur donner un compte-rendu des visites. Les 18 points d'action. Ça va vous permettre d'aller chercher le 5, le 6% de commission. Ou ça va vous aider à signer plus rapidement. Okay? Vous allez voir, à fur et à mesure que vous faites la présentation, quels points sont importants et quels points ont un poids plus important pour aller chercher ce point et demi, deux points de plus. Okay? Encore une fois, les 18 points, il y a beaucoup de points qui sont évidents pour nous. Mais qui valent quand même la peine à être réitérés et répétés aux clients. Donc, évidemment, on veut présenter la propriété à son meilleur en prenant des photos avec un professionnel. On a plein de photographes qui font affaire avec des courtiers. Donc, si vous n'en avez pas, mettez-le dans le groupe. Vous allez avoir une référence garantie. Leur suggérer de certains changements, des conseils sur la propriété elle-même. Ça peut être, c'est juste refaire le joint de silicone, repeindre ce mur. Des choses de base qui aident à sortir la valeur de la propriété. Évidemment, on veut afficher la propriété à un prix compétitif pour aller chercher un maximum d'acheteurs. Okay? On a vu durant la période des deux dernières années qu'on avait des offres multiples, mais ça, c'était parce que la propriété était affichée à un bon prix et il y avait énormément d'acheteurs et c'est la folie. Right? On n'est plus là-dedans. Alors là, aujourd'hui, pour aller chercher plusieurs acheteurs, c'est très difficile. OK? Donc, il faut vraiment s'assurer que le prix de la propriété est compétitif. Soumettre votre propriété, donc la propriété du vendeur, au site numéro 1, qui est MLS. Okay? Il y a beaucoup de vendeurs qui ne savent pas que le site numéro 1, c'est MLS. Mais MLS, c'est le site qui nourrit Realtors, qui nourrit plein d'autres sites. Donc, c'est sûr que c'est le meilleur site. Okay? Ce n'est pas roylepage.ca, ce n'est pas remax.ca. C'est vraiment Realtor et Analyst. Okay? Pendant votre propriété aux rencontres du bureau, ben, des fois, vous voyez, il y a des propriétés dans le groupe WhatsApp. Vous êtes tous dans le groupe WhatsApp, j'imagine. Okay? Donc, vous voyez les propriétés dans le groupe. Ben, ça, c'est un exemple de promouvoir les propriétés à l'interne. Développer une liste de caractéristiques de leur propriété. Donc, ça, c'est évidemment avec l'aide des vendeurs. Parce que oui, on est des conseils, mais on ne se connaît peut-être pas toutes les caractéristiques, excusez-moi, de leur propriété. Okay? Envoyez par courriel une liste de ces caractéristiques aux agents de la région. Donc, si vous prenez un listing dans une région que vous ne connaissez pas, c'est très facile de savoir qui sont les courtiers qui travaillent cette région. Sortez les inscriptions.
Ceux qui ont le plus que deux, trois inscriptions dans ce secteur, ben c'est eux les courtiers du secteur. Ce qu'on appelle farming the area. Ils ont comme une ferme, right? Constamment communiquer les changements de votre marché. Donc, on se répète. Je pense que vous avez compris comment le document fonctionne. Et solliciter 2 heures par jour dans le but de contacter une centaine d'acheteurs potentiels dans votre voisinage. On fait tous la sollicitation, que ce soit des just list, des just sold, votre centre d'influence, vous faites la sollicitation. Right? Est-ce que vous faites tous 1 heure par jour, 2 heures par jour, 3 heures par jour? Est-ce qu'on peut s'entendre sur 2 heures? OK. Donc, encore une fois, tous les points ici sont des points réels. Il n'y a rien qu'on invente. Right? Bon, contactez dans les 7 prochains jours la base de données d'acheteurs de notre entourage, nos anciens clients. Ça, on est supposé le faire constamment. C'est ce qu'on appelle CY, centre d'influence. Ajouter de la visibilité à travers une pancarte, évidemment, quand c'est possible. Si c'est un condo, des fois, ce n'est pas possible. Et d'une boîte à clé. Okay? Dans le reste du pays, il y a juste des boîtes à clé. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Québec, c'est un petit peu spécifique. Il y a des gens qui ne veulent pas. Bon, vous vous organisez avec vos clients, mais poussez pour les boîtes à clé. Parce que si c'est un autre courtier qui se présente, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être sur place. Ça dépend de la propriété et ça dépend du client. Okay? C'est à vous de juger qu'est-ce que vous voulez faire. Lorsque possible, préqualifier les acheteurs sollicités. Alors ça, c'est avec une préapprobation bancaire. Et de plus en plus, on voit dans les commentaires à autres courtiers, tout le PA devra être présenté avec une préapprobation bancaire. Spécialement dans les temps qui courent avec les taux d'intérêt qui montent, c'est de valeur d'avoir la préapprobation bancaire parce qu'on risque de perdre beaucoup de temps juste en financement. Okay? Faire un suivi avec les autres courtiers qui ont fait des visites, donc ça, c'est des comptes rendus. Et évidemment, suivant ces comptes rendus, suggérer des ajustements. Si tout le monde dit que la façade est laide, ben peut-être qu'il faut repeindre la façade. Je donne un exemple spécifique. Vous représentez évidemment sur toutes les offres d'achat et vous assistez à négocier un prix. Traitez toutes les étapes suivant l'acceptation. Donc, ces étapes, c'est rendez-vous avec le notaire, envoyer les documents, faire le suivi avec les courtiers, etc., etc. Évidemment, s'assurer que les fonds sont payés après la date du notaire, que ce soit par chèque ou par transfert virement bancaire. OK? Donc, 18 points. L'idée dans les 18 points, c'est que quand vous racontez, vous parlez de ça avec votre client, vous vous assurez qu'ils disent oui à chaque fois. OK? Monsieur le vendeur, vous voulez que je m'assure que blablabla, oui. Donc là, il a dit oui 18 fois. C'est très dur pour quelqu'un de dire non après avoir dit oui 18 fois. C'est ça l'idée, c'est ça la psychologie derrière ça. Transaction récemment vendue. Donc, à vous de créer votre liste. Si vous n'avez pas des vendus ou assez pour remplir une page, ben prenez les vendus du bureau. C'est pas compliqué. Okay, on met juste la rue et on met le montant. On ne met pas l'adresse. Il n'y a personne qui va vous poser de questions là-dessus. Mais assurez-vous que c'est vraiment une vente. OK? Assurez aussi, vous, d'avoir un petit range. Donc, si vous êtes entre 200 000 et 1 million au moins, c'est juste pour avoir un range qui est un peu plus court. Et généralement, c'est 2 pages. Vous pouvez en mettre une. Les sites utilisés pour promouvoir votre propriété. Donc, évidemment, le client qui vend sa maison veut savoir qu'est-ce que vous allez faire. Où est-ce que vous allez mettre la publicité? Vous devez justifier votre pourcentage de commission d'une manière ou d'une autre. Right? Alors là, ben, il y a des sites qui sont par défaut inclus avec toute inscription. Et ce genre de site, c'est royallepage.ca, mls.ca, realtor.ca, rfpduquartier.com. Ça, c'est les sites. Dès que vous rentrez votre listing dans Centris, ben, ça part là-dedans. Après, les autres sites, c'est à vous de voir sur quel site vous voulez faire la publicité. Si vous avez votre propre site, ben, mettez-le. Par la suite, le bureau a développé aussi des moyens de faire la publicité de vos propriétés. Okay? Donc, il y a des sites là-dedans qui sont déjà par défaut inclus. Okay? Un site qui est intéressant, c'est points2.com. En fait, ça, c'est un site mère. Donc, vous rentrez votre listing sur ce site-là. Puis, par la suite, ce site distribue à plein d'autres sites. Okay. Évidemment, si c'est un condo, une maison ou un condo maison à plus de 1 million, ça ne va pas sur les mêmes sites.
Parce que là, il y a des sites juste de condo et il y en a juste de maisons. Donc, une maison, ça, c'est un site payant. Facebook, on est tous sur Facebook, je pense. Il y a Instagram, si vous, vous utilisez Instagram, il y a toutes sortes de choses. Hein. Snapchat, TikTok, je ne sais pas trop quoi. Okay, guys, arrangez-vous, mais assurez-vous de les utiliser. Okay. Notre équipe, mon équipe, tout, vous avez tous une équipe ici. On travaille tous dans une agence. Donc, en théorie, l'agence, c'est votre équipe. Okay. Donc là, si vous voyez, ben, je n'ai pas mis d'autres boursiers, mais j'ai mis plein d'autres gens. J'ai des inspecteurs, j'ai des notaires, j'ai des avocats, j'ai une compagnie marketing, un photographe et j'ai des banquiers. Ils font partie de mon équipe. Je leur réfère, ils me réfèrent. Right? Donc, bâtissez votre groupe. Vous pouvez utiliser, c'est des banquiers du bureau, by the way. Victor, je pense qu'il est parti, mais c'est pas grave. Puis on change le nom, le numéro de téléphone. Les notaires, arrangez-vous avec les notaires que vous aimez travailler, avec qui vous aimez travailler. Généralement, on en met deux à trois. Moi, j'en ai deux. Les inspecteurs, comme vous savez, on est obligé d'en avoir trois. Avocat, ben, c'est toujours bon d'avoir un nom d'avocat dans votre Rolodex, comme on dit. Photographe, à vous de voir avec qui vous faites affaire. Et donc, ça vous amène une crédibilité. Si vous travaillez en équipe avec un autre courtier, ben, mettez l'autre courtier. Okay. Et après, on rentre dans le vif donc, du sujet pour les vendeurs. Donc, on commence toujours avec la compétition. C'est quoi la compétition? Ben, c'est ce qu'il y a sur le marché présentement. Excusez-moi, ça va être vite. On va ouvrir le vif. Et donc, ça, c'est un vieux CNA. Okay. Alors, qu'est-ce qui est important sur les vendus et, excusez-moi, sur ceux qui sont en vigueur et les vendus? Ben, évidemment, l'adresse, le prix, est-ce que c'est en vigueur ou c'est vendu? Et par la suite, ben, les pieds carrés. Donc, dans ce cas-là, c'est des condos, il y a juste le pied carré habitable. Et dans le cas d'une maison, il y aurait la superficie du terrain. Okay. Le nombre de chambres, salles de bain et s'il y a un stationnement. Okay. Spécialement dans les condos. Donc, vous en avez, vous en choisissez trois. Idéalement, si vous êtes dans les condos, ben c'est dans la même bâtisse ou la des bâtisses adjacentes. Right? Et on fait ça trois fois. Pourquoi on fait ça? Parce que durant votre présentation avec le vendeur, vous allez lui poser la question au vendeur. C'est eux qu'on documente devant eux. Monsieur le vendeur, c'est quoi l'adresse? 1080 Saint-Mathieu, appartement 805. Vous connaissez l'appartement, monsieur le vendeur? Oui, excellent. Combien ils demandent? En fait, vous leur demandez de lire le document. Tout ça, c'est pour ça rentre dans leur tête. Okay. Donc là, on en met trois. J'ai oublié des pages blanches là parce que c'est une photocopie. Et après, ben, on rentre dans les vendus. Qu'est-ce qui a été vendu? Parce que c'est ça ce qui va déterminer vraiment le prix de leur propriété. C'est ce qui s'est vendu, pas ce qui est sur le marché. Donc, même chose ici. On surligne le prix, le nombre de jours que ça a pris à vendre, l'adresse, chambre, salle de bain et stationnement. C'est une page par listing. N'imprimez pas plus qu'une page. N'arrivez pas là avec le stack avec toutes les photos. Là, parce que, la présentation de la description devrait prendre entre 25 et 45 minutes. Plus que ça, les chances sont assez hautes que vous avez perdu l'inscription. OK? Donc, encore une fois, trois vendus. C'est très important de bien les choisir, évidemment, parce que dépendant de comment vous allez les choisir, ça va changer le prix final. Okay. Donc là, jusqu'à là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est introduit, on a introduit qu'est-ce qu'on va faire. On s'est introduit, on a démontré nos compétences, on a fait des ventes, on a une équipe, oui. Et on a maintenant montré trois à vendre et trois vendus. So far, pas trop de questions, right?
Là, on rentre dans ce qui est beaucoup plus à nous de gérer. Donc, on fait une analyse de leur zone à eux. Okay. Ça peut être des parts, ça peut être un pie chart, ça vous de voir comment vous voulez gérer. Qu'est-ce que ça montre? Ben, en fait, comme ça ne veut rien dire. Parce que c'est cute, là, mais ça ne veut rien dire à qui que ce soit. Okay. En fait, ici, on rentre, on va sur Centris, disons qu'on a un condo à Ville-Marie, on prend Ville-Marie, c'est un deux chambres de salle de bain, deux chambres de salle de bain, et on tire les chiffres depuis 30 jours. Donc, combien sur le marché depuis 30 jours? J'en ai 8. Listing expiré 1, vendu 1, en vigueur 45. Okay. En fait, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a 45 propriétés par acheteur. Okay. C'est très important ça, parce que si ce chiffre est à 12, ben, c'est plus un marché de vendeur. Si c'est à 45, c'est plus un marché d'acheteur. Okay. Donc, c'est important à comprendre les subtilités de leur zone. Donc, si c'est un marché de vendeurs et vous leur dites votre maison vaut entre, je ne sais pas, 450 et 475, ben là, 475 est plus réaliste. Mais si c'est l'autre marché, ben, peut-être que 450, c'est trop cher aussi. Peut-être qu'il faut y aller à 445. OK? Donc là, on explique un petit peu le pie chart. Vous n'avez pas besoin de mettre ce document. Si vous voulez, vous pouvez juste expliquer le pie chart verbalement. Okay. Bah, donc, ça, c'est des documents que tout le monde a. Zémy a dû vous envoyer un document que tu n'as pas encore. Moi, je ne sais pas. OK, il va vous l'envoyer. Donc, tu auras toute la présentation, format différent, mais c'est le même style. Moi, j'aime bien mettre le rôle de l'évaluation foncière dans mon package pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a énormément d'informations dont on aura besoin, des cadastres. On fait une première identification du vendeur. Donc, ce qu'il y a ici devrait être le même nom. Là c'était GDA Neo Antonio. Ben, je devrais être en train de parler à Antonio, en théorie, right? C'est le vendeur. Ou à Emilia. Un ou l'autre. Autre importance, c'est que vous avez le pied carré habitable. 100 mètres carrés, ben, vous pouvez le faire en pied carré. Okay? Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est ça ce que c'est. C'est ça ce que c'est en pied carré. Et on compare avec les mêmes chiffres. L'évaluation elle-même n'a pas trop d'importance. Okay? C'est l'évaluation de la ville. Bon, si vous avez d'autres documents, on peut les rentrer. Là, dans ce cas-là, on avait le plan de l'unité, on l'a rentré. Et comme je vous dis, ça, c'est un très, très vieux CMA. Donc, on a changé vraiment le document qu'on utilise pour ça. Donc, je vais vous montrer le document maintenant. Et donc, le nouveau document, c'est vraiment ce document-là. Je vais vous le partager pour les gens qui sont online, certainement. Et donc, ça fait quelques années maintenant qu'on utilise ce document qui est un peu plus détaillé, plus facile à arriver à un prix vraiment réel. C'est un peu inspiré du document que les évaluateurs agréés utilisent. Mais évidemment, eux, ils ont trois méthodes d'évaluation. Nous, on utilise juste une. Okay? Donc, nous, on utilise la méthode qui est comparable en point final. Okay? Donc,
Ça, ça serait le prochain document qui est dans le package CNA. Okay. Et on va passer à travers, pour ceux qui n'ont pas fait ce document, il y a une information juste sur ce document. Donc, ce document-là, c'est ça ce que Zini va vous envoyer. Et en fait, il y a tout. C'est une présentation complète. Chaque page est là. Okay. Okay. Il va vous l'envoyer quand ça sera le moment. Là, je ne sais pas c'est quand sa séquence d'événements, mais c'est ce document qu'on utilise. Et à partir de ça, vous êtes capable de faire votre propre document. Okay. Donc ici, on rentre les comparables. Okay. Donc, la taille des unités, l'évaluation, le prix de vente, la date de vente, la date de la CM. Et après, en bas, il y a les ajustements, s'il se doit d'avoir des ajustements. Et là, on tombe avec un prix en bas. Donc, ça, c'est le prix qu'on suggère, la valeur marchande. Ce prix-là inclut évidemment la commission. Donc, pourquoi c'est important d'avoir une présentation solide, selon vous? Souvent, vous allez vous démarquer par rapport aux autres courtiers. Je ne dis pas que les autres courtiers ne font pas des présentations. Il y en a beaucoup qui font des présentations, mais ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. Ça va évidemment montrer que vous êtes sérieux, vous avez pris le temps de comprendre un petit peu la maison, la propriété, le condo, quel que soit X, et l'environnement dans lequel il se trouve. Right? Et ça vous aide aussi à savoir c'est quoi les objections qui vont vous donner une fois que vous arrivez sur place. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez la séquence, vous avez le rendez-vous, vous prenez rendez-vous, par la suite vous les rappelez, right? Pour leur demander s'ils ont bien reçu le package. Donc, s'ils l'ont reçu, ils l'ont lu, ben, ils risquent de vous dire « Ouais, mais écoute, oublie, viens pas parce que votre commission est trop haute. Okay. » Il y a plein de rebuttals, il y a plein de réponses à ça. Oui, on va parler de la commission, mais j'arrive, si tu n'en fais pas, ce n'est pas un problème. Okay. Mais là, vous savez que leur truc principal, c'est la commission. Ou le prix est trop bas. Okay. C'est généralement ces deux étapes. Okay. Donc, ça vous permet de vous concentrer, une fois durant la présentation, de vraiment vous concentrer sur l'un ou l'autre. La commission qui est trop haute, c'est parce que vous n'avez pas donné de valeur encore. Okay? Donc, il faut réitérer les points qui vous donnent la valeur. C'est quoi les points? Il y en a 18. Vous voulez couper la commission, pas de problème, on va couper les points. Parce que c'est un peu ça. J'ai 18 points à X%, vous voulez payer 3%, mais on va couper les points. What's fair is fair. Vous n'avez pas payé tant que vous n'avez pas vendu, hein, travaillez gratuitement jusqu'à ce que vous vendez. Okay? Donc ça, c'est très important de bien connaître les objectifs. Ben, les objectifs, c'est assez facile, mais de bien connaître vos points et connaître chacun des points. Parce que vous allez retourner, si le problème, c'est la commission, sur les deux pages avec les 18 points d'action. C'est ça ce qui va les convaincre, 18 fois de dire oui. Et après, quand vous leur dites, OK, maintenant, on va signer le contrat, je vais le mettre à travailler pour vous, les chances sont très élevées qu'ils vont vous dire oui. Quand vous avez un télémarketer qui vous appelle, la première chose que vous dites, c'est non. Ouais. Et s'ils sont capables de vous dire, d'avoir un oui de vous, le premier mot, les chances d'aller dire oui après sont très élevées. It's human nature. On dit non tout le temps. Ouais. It's no right away. Mais il y a une chose. Mais c'est normal. OK. Est-ce que vous avez des questions sur le contenu du document? J'ai une question sur les ajustements, le prix. Mm-hmm. Ouais. Je voulais savoir comment on peut ajuster les rénovations sur le prix qu'on obtient sur la page la page des comparables. Ben, il faudrait voir le format que tu as. Hein. Mais
Moi, j'ai rajouté une ligne ici. Je ne sais pas si tu vois là, la ligne 41. Moi, j'ai rajouté une ligne miscellaneous. Et là, je suis capable de rajouter ce que je veux. Je peux mettre ce que je veux ici. Où ça? J'ai rajouté une ligne en dessous de Highway Construction. Okay. Et là, il faut voir si ton document est bloqué ou pas. Je ne suis pas certain. Est-ce que tu vois la ligne ici, 41, la mienne? Oui, 41. Donc, il faudrait rajouter une ligne et tu peux mettre ce que tu veux par la suite ici. OK, d'accord. OK. Sinon, pour modifier les montants, je pense que c'est la dernière page. Ouais, c'est la page ici, Adjustments. Donc, ici, tu es capable de rentrer et changer les montants. Ah, OK. Mais juste assure-toi de changer les montants que tu sais qui sont bons, c'est tout. Sur la page de historique, on peut ajouter une ligne. Excuse-moi, on ne peut pas le toucher. Je ne sais pas, c'est sur quelle page, Annie? Sur la page avant. Data. La page historique. Je n'ai pas de page historique. Non, maison condo, je ne sais pas. La page qui avait des comparables. Ah, ici. Celle-là? Non, leur page. Ça? Ah, ici, la page de comparables. Mmh. Comment on peut ajouter un line en bas? Et c'est possible? Oui, ben, tu dois faire insert line, je pense, avec insert line. Ah, OK. Donc, on peut. Je pense que c'est serré et on ne peut pas toucher le... Ben, comme j'ai dit, je ne sais pas quelle version tu as. Donc, c'est peut-être qu'elle est bloquée. Si elle est bloquée, il va falloir la débloquer avant d'ajouter la ligne. Ah, OK. Tu viendras voir... Ça ne bloque. Elle n'est pas bloquée? Non, elle est bloquée. Elle ne pas débloquée. OK. Donc, il faudrait qu'on la débloque, qu'on l'ajoute, puis qu'on la voit encore. OK, je fais. Je la mets comme un... Je ne sais pas comment dire, mais comme la page en entier. Là, en dessous, il y a comme les petits carrés. Okay. C'est, on voit comme le... Oui, la liste des documents, là, ici. Non. Il y a comme des petits carrés comme le footer, okay, de la page. J'écris là. Oh, OK. Ça sera pour ça. Un autre document qu'on a inclus. Donc, ça, c'est le dernier document qui est inclus dans le... qui est inclus dans le... excusez-moi, c'est ça. Salut. OK, donc on est ce qu'on appelle un net sheet. Alors, le net sheet, en fait, c'est assez simple. C'est le prix qu'on suggère pour la vente. On enlève un montant pour une quittance. Donc, généralement, une quittance, c'est dans les 1000 $. On rajoute notre pourcentage de commission. Et donc là, ça calcule la commission plus la TPS TVQ. Et ça déduit le tout du prix. Donc, si on vendait à 8,50, monsieur le vendeur, il aurait 790 000 dans ses poches. OK? Et là, en bas, ben, vous avez l'option aussi de rajouter ça. Donc, on vous suggère d'inscrire entre 8,50 et un autre montant. Mais là, ça va dépendre parce qu'en théorie, vous n'avez pas vu la propriété. OK? Ça, c'est basé sur le fait qu'on n'a pas vu la propriété. Au pied carré, ça vaut ça. Mais là, si je rentre et c'est super, super propre, super nice, ben, ça vaut peut-être plus. Mais ça peut vous alors moi aussi si c'est super bien et ça. Right? Donc là, ça leur donne vraiment une idée de combien ils vont avoir. Parce que souvent, ils vont vous demander, ouais, mais c'est 6%, ça fait combien, blablabla. Ben, c'est ça. Ça calcule. Est-ce qu'il y a une information sur le pourcentage?
Qu'est-ce que c'est? Comment calculer la... Ben, en fait, c'est un peu ça qui vous aide à négocier. Et donc, les vendeurs vont toujours vouloir négocier leur commission. Pas que les gens me disent 6% de droit. Non, c'est pas 6%, c'est pas facile d'aller chercher un 6%. La norme, c'est je dirais 4,5. Mais il y a plusieurs vendeurs qui sont prêts à payer 6%. S'ils croient en toi en tant que courtière et savent que tu vas leur amener une valeur ajoutée, ça ne dérange pas de payer 6%. Du moins sur papier. OK? Parce qu'après, c'est sûr, il y a beaucoup de courtiers qui signent à 6, mais dans la négociation, ben, souvent, ils vont dire, OK, ben, je vais prendre un 0,5 de moins, ou on s'organise comme ça. Il y a des façons de s'organiser par la suite. Le 6% de commission, c'est vraiment basé sur votre façon de présenter. Ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde est capable d'aller chercher, et ce n'est pas tous les vendeurs qui vont vous donner 6%. Parce que dans leur tête, c'est en 3 et 4. On se dit la vérité, là, c'est ça. Okay. Donc, si vous êtes capable d'aller chercher un 4,5, 4,75, 4, tu sais, les commissions, ça se négocie à 0,05 ou 0,005. Là. Et c'est souvent une grosse erreur de nous tous de négocier les commissions puis d'enlever un demi-point tout de suite. Mais quand on enlève un demi-point, c'est commencer par enlever un point 10. N'oubliez pas quelque chose, si ils négocient votre commission à la baisse tout de suite, ben qu'est-ce que vous allez négocier comme prix après? Non, alors tu veux vendre ta maison vaut 1 million, puis tu négocies, toi tu es la vendeuse, je dis 5%, tu me dis non, 3. Ça ne va pas marcher, on ne va pas s'entendre. Et si tu négocies de 5 et je te dis ok, 4,9, 4,8, 4,75, right? On se met d'accord à 4,5. Mais là, pour moi, l'argument, c'est madame la vendeuse, si je descends ma commission comme ça, imaginez ce que je vais faire avec votre prix. Right? J'avais une présentation avant de faire ça avec un monsieur. Qui est, c'est pour une propriété commerciale. Okay? Donc, il passe des entrevues, évidemment, avec plusieurs courtiers. Et là, j'essaie de lui expliquer la valeur de donner à un courtier collaborateur un certain pourcentage. Parce qu'en commercial, je ne sais pas qui fait du commercial ici. Tu fais ton cours. Okay? Donc, souvent en commercial, tu auras un flat amount. Donc, je peux vendre un truc à 2 millions, puis il s'écrit 15 000. En fait, vos maths à 15 000 sur 2 millions, c'est pas beaucoup. OK. Alors, au lieu de mettre 15 000, est-ce que je mets 1%? C'est pas les mêmes montants, on est d'accord. Et là, il a compris le pourquoi de la valeur de ce 1% versus un flat amount. OK, c'est des gros montants en commercial. Okay. Et si vous êtes capable de faire comprendre aux vendeurs l'importance de donner un point à un collaborateur, dans le commercial, disons, dans les 2,5 points, ils sont convaincus que c'est la bonne chose à faire. Alors après, il reste juste votre commission à négocier. Votre côté à vous. Right? Et si je donne 2,5 à l'autre, ben, pourquoi tu ne paierais pas 2,5 à moi? Et souvent, cette conversation finit par être OK. Parce que il ne faut pas oublier quelque chose. Eux, ils veulent vendre. Et là, ils sont coincés sur un, tu sais, le coût à la fin de la de toute le cycle de vente. Donc pour vraiment être sûr, on n'a pas un cours sur les commissions, mais c'est plus un jeu psychologique avec les vendeurs. Ouais. Puis éventuellement tu négocier ou non tu négocier. Il y a des vendeurs, ils ne vont pas toucher. Moi, je ne signe pas avec toi si ce n'est pas 3%. Alors ça, c'est ta décision après de prendre. Donc, où tu le prends à 3% et tu donnes un au collaborateur et tu en gardes deux.
Ben alors, il vaut mieux que tu trouves un acheteur. Non, mais c'est ça mon point. Ou tu prends 1% et tu donnes 2 à l'autre. Mais là, tu travailles. Pourquoi? Parce qu'oublie pas, l'inscripteur a le plus de dépenses. Il y a les photos, il y a la pancarte, il y a ton temps, il y a la mise en marché. Tu sais, il y a du travail derrière ça. But the seller can dictate what would be percentage for collaborator. Can he dictate? I mean, I don't think they can dictate. Okay. They can try it. Ultimately, you're signing the document too. Comme courtier inscripteur, you're signing there's a clause. C'est ça. So you got to be part of this equation. If, you know, what did I tell the guy today? I told him, listen, if you're unhappy, you're not going to sign with me. And if I'm unhappy, I'm not going to sign with you. It's not, you know, it's not a one-way street. There's nothing, il n'y a rien de pire que travailler pour un vendeur et que tu as dû avaler un point ou un point et demi de ton, ta commission. Ça ne donne pas envie. Tu n'as pas envie, tu n'es pas motivé à vendre. You have to have a bottom line. Yeah. So are you a 3% broker, or are you a 4% broker, or are you a 5-6% broker? Or maybe you're between 4 and 5.5, or 4 and 5. 5 is already very good. Yeah. Let's not kid ourselves. 6 is exceptional. Okay. And 6 won't happen every single listing. I know no one that is able to hit 6% at every listing. But there has to be a reason why they're going to pay 6. That's where the value comes in. You need to have an enormous amount of value. Is it true that the for houses like 3 million usually the commission lower than? Of course. Yeah. The higher the price. Because the higher price, the bigger commission. Yeah. When you're selling 2-3 million, 5 million, $5-10 million properties, you can't go in at 6%. They're going to laugh at you. Yeah. Besides the 18 points, and besides the enticing collaborating brokers to come towards your property versus your competition, mm-hmm. What's another value that we can provide? It's you. You've got to figure that one out. It's you. You're the value. You have to be enthusiastic. You have to be ready to, you know, ready to make money. Ready to make money. Ready to sell. Ready to negotiate. It's you. You gotta. Okay, you have to walk in like. When? Yes. What's up? I want to work. Yeah. No, I don't. Doesn't work. Actually, lately I haven't even toured the house. I was straight to the table. Most signatures are done because people are super energetic and enthusiastic. Right, Fanny? Yeah. So besides that, there's no tangible value that I can provide. You can add value. I mean, but again, it's up to you. It's websites. It's where do you advertise? Mm-hmm. Oh, no. Where do you advertise? Are you going to go knocking at doors? Okay, tu prends mon ici, ma maison. Are you going to knock 10 doors down, 10 doors up? Well, you got to tell me. If you don't tell me, I don't know. Well, that's the other value. Or like I could say if it's $1 million property that I'm going to... I'm so excited to take the listing. I have somebody in mind. I'm going to send it to them right away. Hopefully you have somebody in mind. Don't start lying. That's not what I'm saying. A box of, okay, then bring that buyer directly. Well, let's not put it on the target. I just said, make sure you don't lie. Okay. I specifically said that right after. No, but they could say, don't put it in the market then. No, ça marche pas comme ça. No. So, la pire chose à faire, c'est ça. Alors, pourquoi, amène-moi ton acheteur, monsieur le vendeur, moi, je vais pas amener mon acheteur si j'ai pas un contrat avec lui. À moins que tu aies un contrat avec l'acheteur, là c'est différent parce que tu n'as pas le droit d'avoir deux contrats, right? They've complicated our lives a little bit, but no, you cannot have a contract with a buyer and then you have the contract of the house and bring the buyer for the house. It's illegal. You've got to cancel your contract with the buyer, bring him to the house as an independent. It's not the same. C'est comme ça que tu double end? J'ai jamais dit d'abord, hein? J'ai jamais dit que c'est comme ça que tu d'abord. J'ai jamais dit que t'as pas le droit de faire. Yeah, mais comme moi, je sais que si tu fais, si t'as les deux, tu dois dire. Tu dois donner l'option à l'acheteur d'être représenté par un autre courtier. Exactement. Mais ça va être clair, net et précis comment tu as dit. Ouais. Okay. Mais s'il le nie,
More power to you. Jens, you must just say. We cannot confirm or deny any word. OK. Donc, c'est ça l'importance de chacun de nous, de notre caractère. Chacun est différent. Déjà, ici, on est quatre. Il y a quatre styles de personnalité. Où on va présenter quatre façons différentes. Avec le même document, ça ne va pas être la même présentation. OK? It'll never be the same. We're all different. We all move differently. We all speak differently. We all sit differently. And it's OK. That's why sellers want to meet more than one broker. One question. Yeah. Mike Ferrer recommends to, in an introduction of the CMA, to put 3-5 numbers of the former clients. Do you know? You could. Yeah. I don't feel like having. Maybe in US. Or references. Yeah. I've never been asked a reference ever. But if somebody would ask me a reference, I would gladly provide a reference. Awesome. But to put it on the document as a plus, you know, I don't think I would even want to ask to expose information. To expose information, your clients. Yeah, like I don't know that anybody would want to like have to ask a seller, hey, Now you're beginning to anxiety. Yeah, I know. Nobody will call the clients. So, well, because you gotta call your former clients. Okay. Someone wants to? Yeah, I'm doing. Hey, Henry, how are you? Good. Amazing. Hi. So that's what I would necessarily give them a reference right off the bat. I would probably just have a few numbers ready to go. Okay. Yeah. So again, yeah, guys, if you have questions on the actual contenu, okay, you can change it. Stick with the 18 points of action. It works really well. And you know, we have CMAs here. You're going to get this one. Zinni can help you unlock the sheet, I think, if he needs to. Or then we'll just change it and add that line, that miscellaneous line. When you sell a lot, you're going to go through the same steps, presentation. No, so the next, usually I do the actual this sheet. This sheet takes about an hour, roughly. There's the condo and then there's the house. It's a recurring training. Like there's nothing new. If you've already done it, it's going to be the same training again. But we go through an actual, we pick three properties and then we load all the information and we explain how the sheet actually works in the background. Parce que tout est pré-programmé. Toutes les cellules, tout ce qui est en gris, plus foncé, vous touchez pas. Okay. The training of the plexus again. I think that's Elias who does it. Ouais, moi je fais pas les plex parce que moi j'utilise un document complètement différent. Puis c'est pas bon, je peux pas faire le film. Wow. It's not the red one. No. Everybody uses a different document. Okay. So Elias's document is really good parce que it's the document that CHMC uses. So it's like a backwards analysis. It's a fantastic document. And I'd rather he does it that way than the other document we have. Because the other document we have is a capital projection in time. Oh. Yeah, so that's why I can't. I'm not the one who does it. Okay. So guys, thank you. Thank you. I hope it's helpful. If you have questions, don't hesitate. We're always here. Henry, what a pleasure. I feel I should restart the training. So Henry has his own office downtown. He's been with us before I even knew Royal Pajic Cafe existed. Yeah. and his son, Yu Chen, he's a professional kart racer. Yeah, and skier. Yeah, and skier. And we've been sponsoring his son for what, 3-4 years now? Yeah, about. Yeah. So we're really proud of connection. Really proud of his son, really proud of him, of course. Yeah. I'm honored to be part of the Royal Pass too.
Yeah, I'm the lobbyist. I study a lot about lobbyists than anybody else. How many years? That's almost 20 years. 20 years? Yeah. Yeah. Well, yeah. I'm young, right? Yeah, no, I'm young. You're the OG. It's really a good agency. Yeah. Yeah. That's what we have. Thank you guys online. Thank you. Kareem, I have a quick question. Yeah, go ahead. Hi, it's Benjamin Gold. Thanks for the presentation and happy to see the update to the CMA. I have a quick question. The importance of the Royal LePage program that we have for our buyers. Sorry, driving at the same time. Protection Royale. Yes, Protection Royale, exactly. I mean, I've added it in my CMA, and I think it helps with the sellers to kind of like solidify their decision. Is there a reason why it's not in your CMA? Because I wasn't part of Protection Royale for the longest time. I just signed up to it. So I never really updated it with Protection Royale. But yeah, okay. I think if you're part of that program, you should definitely add it in for sure. Okay, great. Yeah. And sorry, I have a second question. I know you mentioned that Yasmina has a kind of like a reverse presentation for Plexus, if I understood correctly. No, it's Elias. Oh, Elias. Okay, great. And he usually does it once every month or, every 6 weeks. Right. I was just wondering, how would you go about modifying the CMA for a carriage trade? I wouldn't. You wouldn't? No. Okay. The same CMA for, entry-level condos to, $5 million home. Doesn't matter. Okay. Well, the reason I asked is because it's the same thing. You could change the colors if you want, but at the end of the day, they won't know that you have another CMA. Okay. You know what I'm saying? Like the customer you're presenting to has no idea what's the difference. Right. No, it's just because we're going up against, other brands that have, packages that are, glossy papered and everything. Printed on glossy paper. Right. Okay. So I guess my last question would be, and I think this was part of my feedback for the survey, mm-hmm. The presentation binders, the nice glossy ones. Mm-hmm. Are we going to be stocking them at the office for us to buy à la carte or, smaller quantities? Are you talking about les classeurs, Jean, the folders? The presentation binders, yeah. Yeah, I mean, we ordered a bunch. They'll probably be at the office, and you can buy them as you go. Okay, great. Because I don't even know where we're at with that, but I have a reminder to follow up. So okay, it's not a problem. Okay, great, excellent. Thank you, Kareem. All right, thank you guys. Have a good day. Bye. Bye. Thank you. You're welcome.